dans les montagnes de l'Hindoukouch en Afghanistan. Le silence est à peine troublé par le pas des chevaux. La température frôle les moins 15 degrés. Cette année, l'hiver est arrivé en avance. Et c'est bien ce qui inquiète le vieux commerçant et son chauffeur. La neige pourrait bloquer à tout moment l'unique route de la vallée, les retenant prisonniers avec leurs marchandises durant plusieurs mois. Pour parvenir jusqu'ici, Hadji a traversé sans encombre les zones contrôlées par les talibans. Alors ce n'est pas un âne qui va l'empêcher de continuer son voyage. Mais Hadji a un autre problème. Son vieux camion est aussi têtu qu'un âne. Il faut dire que son moteur a dépassé le million de kilomètres. Parfois, la rivière sort de son lit et il y a des inondations. Et il y a aussi des avalanches, ce genre de complications. C'est comme ça l'Afghanistan. Que peut-on faire? C'est une route fatigante, mais je suis bien obligé, sinon que faire d'autre? J'ai passé ma vie sur ces routes. Si je ne viens pas ici, comment gagner ma vie? Mais à chaque fois que je fais le voyage, ça m'épuise. Cette année, Hadji a pris le risque d'engager un jeune chauffeur. Moi, ça fait 2 ans que je suis chauffeur. Avant, je livrais des marchandises à Kaboul. C'est la première fois que je viens dans le corridor du Waran. Je n'ai pas de terre. J'ai aucun revenu. Je gagne ma vie à la force du poignet. Je ne dois rien aux autres et j'en suis fier. Je suis indépendant et ça, tu vois, ça n'a pas de prix. Chauffeur, maintenant, c'est mon métier. On va jusqu'au bout du corridor, à Sarak. On va tout doucement, étape par étape, village par village, lieu-dit par lieu-dit. L'Afghanistan n'est plus une vallée heureuse, comme l'écrivait Joseph Kessel. La guerre ravage le pays depuis des décennies. Le corridor du Waran, où se rend Hadji, a été miraculeusement épargné. Aucun taliban, aucun soldat étranger n'y a jamais pénétré. Le corridor du Waran est une région montagneuse, située à l'extrême nord-est de l'Afghanistan. Une piste de terre le traverse sur près de 350 km de long. Thank you.
Sans cette ligne de vie, sur laquelle s'aventurent de rares commerçants, les habitants manqueraient des biens les plus élémentaires, comme la farine ou le sel. Sans ces marchandises, les habitants du corridor ne pourraient affronter les rigueurs de l'hiver. Et c'est moins 30 degrés. Ici, dans mon Wahan, il n'y a pas de talibans. Ils ne peuvent rien nous dire. Dans la neige depuis 20 jours, à la recherche d'un nouveau chemin. Beaucoup de nos bêtes sont mortes dans la montagne. Là-haut, il y a encore des hommes et des bêtes bloqués par la neige. On a 5 enfants avec nous et ils ont beaucoup souffert du froid. Même s'il faisait froid, je suis contente parce que j'étais avec mes parents. Les Wari vivent de l'élevage de moutons et de yaks. Chaque transhumance est une nouvelle aventure. J'ai toujours une arme sur moi, quand je vais dans le Pamir. Là-haut, il y a des meutes de loups. Ils s'attaquent régulièrement au bétail. La caravane arrive enfin à l'entrée du corridor. Elle est encore très loin de son village. Sur ces terres reculées, il faut avoir de la patience sur la route et dans le commerce. Depuis que je fais du commerce dans le corridor, ça se passe toujours bien. Ce sont des gens tranquilles, des gens d'honneur. S'ils me doivent quelque chose, ils me rembourseront, même 10 ans après. Yes,
Dans le Waran, le troc est aussi monnaie courante. Hoje também já. Tô peixas. Je vais voir si mes blocs de sel sont encore là. S'il en reste, je les chargerai. En Afghanistan, le sel provient directement des mines creusées dans les montagnes à l'autre bout du pays. Trois cents kilos de minerais sont chargés à l'arrière du camion. Fiers, les porteurs ne réclament rien. Hadji fait tout de même un petit geste. La nuit arrive à grands pas. Hadji et son chauffeur sont invités à dormir dans la maison du chef du village. Hadji est célèbre dans le Waran. À chacune de ses tournées, les habitants lui offrent le gîte et le couvert. Le repas a été préparé par les femmes du village, mais c'est les hommes qui se chargent du service. Mr. Holtoy.
Les menus ne varient guère dans le Waran. Riz et pommes de terre sont la base de chaque repas. Il y a plusieurs commerçants comme Hadji qui viennent dans notre village. Ils viennent l'été pour acheter nos produits. Eux, ils nous apportent du riz, des pommes de terre, des oignons et des bottes en caoutchouc. Ça résout pas mal de nos problèmes. Sans eux, la vie serait compliquée. Cette année, il a beaucoup neigé. Normalement, il ne neige pas aussi tôt dans l'année. Et parfois, à cause de la neige, les camions ne peuvent pas passer. Ils restent bloqués. Ça fait 15 ans que je parcours les routes du Waran. Dans ce sens, j'apporte des marchandises. Et dans l'autre, je ramène des moutons, du bétail. Enfin, tout ce qu'ils ont. La nuit a été glaciale. Le vent a maintenu un bon moins 15 degrés. Le diesel de mauvaise qualité a gelé. Le camion ne démarre pas. Plus haut dans la montagne, la neige a recouvert la route. Il est peut-être déjà trop tard pour passer. Grâce à Dieu et que le diable soit sourd. Depuis le temps que je viens dans ces vallées, je n'ai jamais eu de problème. C'est très dangereux ici. Il n'y a de l'espace que pour un seul véhicule. Ça ne tient qu'à un cheveu. Le camion peut se renverser à tout moment. Il y a vraiment de quoi avoir peur. Où est-ce que tu as fait?
Double. Est-ce le froid, la peur de l'accident, la jeunesse du chauffeur? Les relations entre les deux hommes se dégradent, comme la route. Ami, j'ai stop. Hadji enseigne la prudence à son jeune chauffeur. Bien. Une mauvaise analyse du danger, et c'est toute la fortune du commerçant qui plonge dans le ravin. À 3500 mètres d'altitude, le moindre effort épuise Hadji. Le vieil homme n'a pas fini de souffler. La caravane de yak avance inexorablement, comme condamnée à une marche perpétuelle. Leurs chauds vêtements,
après 20 jours passés dans la neige, ne les protège plus des morsures de l'hiver. Hommes et femmes sont à bout de force. La caravane arrive à la seule étape de son voyage. Le village de Sarat. Pour la première fois depuis 20 jours, ils vont pouvoir dormir au chaud. La caravane de bergers s'entasse dans cette petite maison. On a beaucoup souffert à cause de la neige sur la route. On en a bavé. Pour fêter leur arrivée, un mouton a été tué. Après 20 jours de marche, le ciel n'est clair que depuis seulement 2 jours. On est content d'être ici. On n'a pas eu d'accident sur le chemin, il n'y a pas eu d'avalanche. Pourtant, cette route est dangereuse. On fait transhumer nos yaks dans le Pamir. Là-haut, on fabrique du fromage séché, de l'huile. Nous sommes bergers, on fait pâturer nos bêtes. C'est compliqué, mais que faire? C'est la vie. On arrivera à la maison demain. Enfin, si Dieu le veut. Une fois rentré, je raconterai mes aventures à ma famille. Hadji ne fait pas que vendre sa marchandise. Il la troque contre quelques têtes de bétail. Ne olacak mı?
Mais les négociations sont loin d'être terminées. Hadji entraîne le paysan jusqu'à son camion afin de lui montrer qu'il a de quoi le faire changer d'avis. Grâce à cette farine et au bloc de sel, Hakim, l'éleveur de vaches et ses enfants ont de quoi tenir tout l'hiver en attendant le passage au printemps du prochain camion. Dans le Waran, la vie est rude, sans aucune concession. Les enfants aident leurs parents à la ferme dès leur plus jeune âge. Leur seul moment de liberté, ils le trouvent à l'école. Des écoles, il y en a très peu dans la vallée. Elles sont souvent construites au carrefour de plusieurs villages. Leur éloignement oblige les enfants à marcher plus d'une heure pour s'y rendre. Mais aucun d'eux ne s'en plaint, surtout les filles. En Afghanistan, les talibans n'autorisent pas les filles à aller à l'école. On n'a pas le droit d'y aller. Ici, dans mon Waran, il n'y a pas de talibans. Ils ne peuvent rien nous dire. Il fait très froid et le chemin pour aller à l'école est très long. Il n'y a pas de chauffage dans l'école et les classes sont glaciales. On n'a ni cahier ni stylo. Les enfants ont classe seulement 4 heures par jour. Inch'Allah,
Dans d'autres régions d'Afghanistan, les filles sont menacées. Elles n'ont aucun droit. Ici, on manque d'enseignants et de connaissances. Mais nous sommes libres et heureux de l'être. Le vieux camion manque parfois de souffle pour se sortir des ornières. Ce jour-là, l'effort est partagé. Des bergers prêtent main forte à Hadji et Nakil. Nakil tente de glisser des cailloux en soulevant la roue du camion. Mais le cric refuse de soulever la machine. Après tant d'années passées à parcourir ces routes, Hadji s'affaiblit. Chaque nouveau voyage est une épreuve. Il profite de ces passages pour s'arrêter dans l'unique dispensaire du corridor. Je suis malade. J'ai une infection intestinale qui me fait saigner. Et ma tension est élevée. Je suis venu dans ce dispensaire pour une consultation et me faire prescrire des médicaments. Le bout du corridor se trouve encore à une journée de voyage. Mais cette partie de la route est aussi la plus dangereuse. Sang
En bon commerçant, Hadji va tirer profit de cette halte forcée. Son camion s'est arrêté tout près d'un village. Je vais voir le bétail de cet homme. Il veut de la farine ou autre chose en échange. On verra. Hadji n'a pas toujours été commerçant. Dans sa jeunesse, il a combattu l'Union soviétique sous les ordres du chef militaire le plus respecté d'Afghanistan. Pendant 14 ans, j'ai été moudjahid auprès du commandant Massoud. J'étais commandant d'un groupe de combattants. Avec mes hommes, je passais clandestinement au Pakistan pour y chercher des armes. On transportait les armes à dos d'âne, de chevaux et de yaks à travers les montagnes. On faisait la guerre contre les soviétiques. Après ces 14 années, je n'avais plus la force de combattre. J'ai arrêté le djihad. Quand je suis venu ici pour la première fois, il y a 15 ans, les habitants ne connaissaient même pas le savon. Maintenant, ils ont du savon, mais ils étendent toujours le linge sur le sol poussiéreux. De l'autre côté de la Terre, ils cherchent à aller sur Mars. Et regarde comment on vit chez nous. Après 10 jours de voyage, Hadji et Nakib arrivent enfin au bout du corridor. Les derniers sacs de farine sont écoulés en quelques minutes. On est arrivé à Sarat. C'est le bout du corridor, c'est la fin de la route. On va faire demi-tour et s'arrêter en chemin à récupérer les bêtes qu'on a troquées à l'aller. Que j'ai vendu à Hadji contre 15 sacs de farine et un sac de riz. Oh.
Hadji et Nakib mettront encore une semaine pour rentrer chez eux. De son côté, la caravane de Yak a atteint elle aussi son but. Le village de Nishtraoul, au centre du corridor. Comme le veut la tradition, les voyageurs sont accueillis par une pincée de farine. Ce sont nos traditions. Le blanc, c'est la pureté et la joie. Je suis très contente. Nous sommes venus pour fêter leur retour du Pamir. Les Waris sont ismaéliens, un courant modéré de l'islam. C'est pourquoi ces femmes se mélangent aux hommes et parlent librement à visage découvert. Un mode de vie très éloigné des doctrines radicales des talibans. Il n'y a rien d'acceptable chez les talibans. Ils obligent les femmes à porter le voile intégral. Ils leur interdisent de sortir. Ils sont cruels. Ici, nous sommes libres. Nos enfants peuvent aller à l'école et nous, nous pouvons travailler librement. Dans 6 mois, à l'arrivée du printemps, les familles Wari reprendront la route vers les prairies du Grand Pamir.